savons toutes et tous que nos prises de parole sont écoutées par nos concitoyens et nos concitoyennes, et donc je vais me permettre de préciser que le texte qui est soumis ici à notre discussion est un projet de loi de finances de fin de gestion pour l'année 2024 que l'on abrège sous le nom de PLFG. C'est un projet de loi proposé par le gouvernement qui ajuste les dépenses publiques de l'année en cours par l'annulation de crédits sur des lignes qui n'ont pas été utilisées et inversement par l'ajout de crédits pour abonder des programmes plus coûteux que prévu. Il ne s'agit donc pas, comme on voudrait... Mais monsieur, vous savez tout. Mais il y en a ici qui ne savent pas tout. Non, c'est de l'éducation populaire, mais ça, vous ne connaissez pas. Il ne s'agit donc pas, comme on voudrait nous le faire croire, d'un simple document technique, comme tous les documents budgétaires. Il est bien le reflet de choix politiques. Or, nous sommes en profond désaccord avec ces choix budgétaires, et c'est pour cette raison que nous proposons de rejeter ce texte en l'état, afin de le remettre en débat. D'abord, parce qu'il est l'expression d'un exercice d'austérité qui consiste à amener des annulations de crédit à plus de 16 milliards d'euros, si on compte toutes les coupes budgétaires de l'année. Ensuite, parce que ce texte est le résultat cumulé d'une politique antisociale menée depuis 7 ans. Enfin, tout simplement parce qu'il a été rejeté le 12 novembre dernier en commission et que donc, en toute logique, il devrait l'être de nouveau aujourd'hui par toutes celles et tous ceux qui ne soutiennent pas M. Macron et son gouvernement Barnier. Car la politique menée par Emmanuel Macron, ce fameux Mozart de la finance avec ses gouvernements successifs, nous a finalement conduit au déficit abyssal que nous affrontons aujourd'hui. Un président qui a géré la France comme une entreprise du CAC 40 dont le but est de verser un maximum de dividendes à ses actionnaires et qui, en même temps, est resté sourd aux revendications populaires. Un président qui a méprisé et mutilé les gilets jaunes, qui a ignoré les centaines de milliers de citoyennes et de citoyens pendant des mois et par tous les temps contre la réforme des retraites. Un président qui a profondément abîmé la confiance des Françaises et des Français dans la politique en utilisant sans cesse le mensonge et la calomnie. Un président qui a trahi les Français en se faisant élire par une France républicaine à laquelle il avait promis de faire front contre les propositions nauséabondes de l'extrême droite. Un président qui a oublié que dans notre République, c'est le peuple qui est souverain et que le président ne dispose que d'une délégation temporaire de cette souveraineté. Et ce peuple vient se rappeler à vous, président, ministre, sénateur, député, qui avez fait de leur vie un enfer, car le chaos est là. Aujourd'hui et maintenant, et c'est votre création. De gestion désastreuse en décisions absurdes, vous, politiciens de droite, avez plongé la France dans le désordre. Et vous aurez beau truffer vos discours de mots responsables et responsabilité, vous ne trompez personne. Car au-delà de votre incompétence manifeste, vous êtes aussi des pyromanes, ce qui est gravissime au regard de la place que vous occupez. Les irresponsables, c'est vous. Un chef d'État se doit de répondre aux besoins de sa population et d'apaiser les tensions. Nous en sommes loin et ce PLFG est le reflet de votre indifférence et de votre inconscience. Si l'argent n'a pas été dépensé, c'est parce que le gouvernement a empêché de lui trouver des débouchés en ordonnant au service de geler des crédits. Et la commission mixte paritaire n'y a rien changé. Mais il est vrai que pour vous, il n'y a pas d'urgence. C'est d'ailleurs un macroniste de la première heure qui nous le rappelait doctement lors d'une table ronde avec l'Association des maires de Gironde. Ce député nous a expliqué sans sourciller qu'il fallait arrêter de dire que les services publics n'ont pas les moyens de fonctionner, car il n'y aurait selon lui aucun problème sur sa circonscription. Alors je l'invite à se rendre un peu sur le terrain pour aller voir l'état des bâtiments scolaires, comme le collège de Créon ou le lycée Flora Tristan de Camblane, au sein desquels les enseignants enjambent les seaux qui fleurissent les escaliers et même les salles de classe dans lesquelles il pleut. Les universités qui ne peuvent plus payer leur facture de chauffage. Les élèves sans affectation. Les urgences de l'hôpital de Langon qui ont dû fermer encore au cours du mois dernier. Les hôpitaux où les patients ne peuvent pas être soignés correctement faute de moyens techniques, comme à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux, où faute de pouvoir recruter des médecins psychiatres, comme à Cadillac-sur-Garonne. Et je pourrais malheureusement continuer à égrener d'autres exemples. La France et les Français sont toujours en attente de votre fameux ruissellement.
L'échec de votre politique économique est patent. Les plans sociaux se multiplient partout en France et l'OFCE prévoit encore la suppression de 150 000 postes pour 2025. Ce que nous avons vu depuis 7 ans, c'est une cavité qui s'est transformée en gouffre, un déficit record dans l'histoire contemporaine de la France, avec des ministres qui font comme s'ils n'y étaient pour rien. La moindre des choses est d'assumer ses erreurs et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Il faut partir pour laisser à d'autres le soin de changer de politique. Le plus incroyable, c'est que vous reconnaissez tous que c'est la faiblesse des recettes qui a creusé le déficit. Et là-dessus, nous sommes bien d'accord, car il n'est pas compliqué d'en trouver l'origine. Depuis 2017, vous avez supprimé plus de 62 milliards de recettes, principalement au bénéfice de celles et ceux qui en avaient le moins besoin. Sans aucune anticipation, sans aucun plan d'action. Ce qui nous amène au désastre budgétaire que nous connaissons et au déficit structurel que vous avez créé par vos cadeaux fiscaux. En présentant un PLFG qui vient annuler 6,4 milliards d'euros de crédit, c'est un ultime camouflet que vous infligez au peuple de France. Amputer la mission agriculture de plusieurs centaines de millions au terme d'une année dont les conditions climatiques et sanitaires ont ébranlé des dizaines de filières. Au moment où la crise structurelle dans la viticulture est à son paroxysme, empêchant les viticulteurs de vivre dignement, cela est particulièrement cynique. Supprimer des centaines de millions à la mission écologie alors que le dérèglement climatique s'amplifie sous nos yeux, que les feux et les inondations se multiplient avec une violence croissante, c'est cela l'irresponsabilité. Annuler 800 millions sur la mission enseignement supérieur et éducation nationale, 700 millions pour la justice, 685 millions pour la cohésion sociale et l'accès au logement, c'est cela l'irresponsabilité. Vous ne vous occupez pas des gens, vous gérez des tableaux de bord et vous le faites mal. Lorsqu'on vous parle de mal-être, vous supprimez des jours de carence. Lorsqu'on vous parle des paysans qui veulent simplement vivre de leur métier, vous nous parlez de compétitivité. Lorsqu'on vous parle de justice, vous nous parlez de répression. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. Vos tableaux de bord, vous ne les maîtrisez pas. Le PLFG montre que le coût des remboursements et dégrèvements a été sous-estimé de 2,2 milliards. C'est le signe de niches fiscales mal calibrées, injustes et contre-productives qui n'empêchent aucun licenciement et qui envoient l'argent directement dans les poches des actionnaires. Contrairement à ce que la droite et l'extrême droite continuent de nous asséner, la baisse des impôts sur les sociétés n'entraîne pas une hausse des recettes magique par une augmentation de l'activité, mais bien simplement une baisse de recettes. Plus grave encore, votre surestimation de recettes de TVA de 3,7 milliards. Elle ne peut surprendre que celles et ceux qui, comme vous, méconnaissent la vie de nos concitoyens. Ouvrez les yeux. La plupart des Français n'ont plus les moyens de consommer. Qui peut dire qu'il vit mieux aujourd'hui qu'il y a 7 ans, si ce n'est les 10% les plus riches dont le patrimoine a doublé ? Avec ce PLFG, vous vous entêtez dans le maintien d'une politique austéritaire qui plonge plus de 10 millions de Français dans la misère et au moins autant dans la précarité, sous couvert de compétitivité. Sous la menace constante que vous brandissez du matin au soir, de voir les détenteurs de capitaux s'enfuir vers d'autres horizons. Et je redis ce que j'ai dit ici même il y a 15 jours. Je crois que c'est vous qui avez un problème avec les riches. Quel mépris vous avez pour eux en estimant qu'ils n'ont aucun amour pour leur pays, qu'ils ne sont en France que par intérêt. C'est vous qui les prenez pour des êtres grossiers qui ne pensent qu'à l'argent. Nous prenons au contraire le pari que les riches aiment la France, comme nous, et qu'ils seront fiers de participer à son redressement en adhérant aux solutions que nous préconisons pour répondre aux besoins des Français et assurer la nécessaire bifurcation écologique, économique et sociale. Votre absence totale de boussole désoriente les acteurs économiques et anéantit leurs efforts d'adaptation à vos politiques désordonnées. Les Français, votre absence, il faut planifier et cesser ces revirements incessants qui se font de façon purement démagogique au gré des protestations légitimes de telle ou telle corporation. Il faut maintenant arrêter de s'obstiner et admettre que seule une meilleure répartition des richesses permettra de relancer l'économie en redonnant du pouvoir d'achat aux Français et du pouvoir d'investir aux collectivités. Ce PLFG reflète l'incapacité du gouvernement à prendre ses responsabilités en reconnaissant qu'il a fait fausse route. C'est pourquoi, chers collègues, j'invite toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de changer en mieux la vie des Françaises et des Français à voter cette motion de rejet.